Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous étions en train de conquérir toute l'Amérique centrale. Donc du coup, nous avions un traité de paix à signer avec les Tlapanecs et les Topomacs. Alors, toi tu vas donner ça. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop après, donc on va demander que ça. Ensuite, tu vas annuler ton traité de paix et me donner tout ton or. Ouais, que 27. Allez, ça me suffira pour l'instant. Oui. Merci. Et il nous reste nos amis ici présents. Pareil, je pense qu'on va pas trop y aller comme des brutes. On va prendre que ces trois-là. Et... ton or. Voilà. Je m'installe un peu mieux parce que... voilà, merci. Bon, du coup, il a triplé de volume en... on va voir, moi j'ai pas de problème, mais lui il va en avoir des gros. Ok. Du coup, on va le laisser dans le coin, parce qu'il va avoir des gros problèmes d'agitation. Donc on va laisser nos troupes dans les environs. Ce qu'on va faire quand même avec, c'est qu'on peut aussi bien aller explorer un petit peu. On a combien de limites là ? 41 sur 45, ok. On est en train de s'approcher de notre limite max. Donc nos colonies se développent. Excellente idée, c'est quoi ça? Ah ouais, encourageant l'encomienda. Question de la population indigène est de prime importance pour nous. Nous voulons nous assurer qu'ils sont sous notre protection contre leurs voisins hostiles, qu'ils soient correctement civilisés et qu'ils pratiquent la véritable foi. Nous projetons de donner cette responsabilité aux colons, et chacun d'eux recevra un certain nombre d'indigènes à instruire et à protéger. Il est évident qu'ils ne feront pas cela gratuitement, mais aussi en retour, ces indigènes devront fournir un certain nombre de jours de travail. Ouais, ça marche. Ok, donc j'ai 4 diplomates qui sont en train de rentrer. Donc il y en a un qui va en Espagne, comme d'habitude. Je pourrais excommunier l'Espagne. Excellente idée, tiens. Où en sommes-nous? L'Angleterre, t'es toujours... ça termine combien? Août? Ouais, encore 5 ans quand même. Voilà. Vous savez quoi, hein? On va y aller. Hein? Non. Bon, déjà, vas-y, commence à avancer. C'est quoi? Colonie pénitentiaire. Agitation locale plus 3, croissance coloniale locale plus 10. Allez, pourquoi pas. On envoie tous nos prisonniers là-bas. Le bagne. Contre une armée complète portugaise, les indigènes, ils ont pas beaucoup de chance. Hein. C'est quoi cette province, hein? Bon, est-ce que tu gères... ouais, 7000 hommes, ça devrait, ils devraient gérer pour l'instant. Et où ça? Ah, c'est là? D'accord. D'ailleurs, toi aussi, tu... on est à combien en termes de... on est à 2 sur 2. Okay. Ah, au fait, longtemps que t'as pas bossé, toi. J'ai bien envie de t'envoyer ce coup-ci. Ah, j'ai pas encore de... si, tu peux venir là. Voilà. Ça risque d'être un peu chaud. Non, ça va aller. Voilà. Non, tu vas venir là. Après, tu vas venir là. Parce que comme ça, on va pouvoir explorer l'océan Pacifique. Et ça, c'est cool. Waouh! Allez vous faire voir. Bon, ça, on était à plus 2. On est en avance technologiquement un peu partout.
Maintiens-moi le diplomate en Espagne. J'en ai besoin. Du coup, les autres, ils vont faire quoi? Wow, la France! Forcément. Je peux pas falsifier de revendication ici. Et chez lui, je n'ai pas non plus de revendication à falsifier. Ok. Hop, 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 hop. Bon, déjà, tu vas essayer de faire... Waouh, non. On rentre. Ça, nos effectifs remontent en plus. On a perdu un casus belli encore d'expansion. On va bien savoir pourquoi. Ah, les Incas. Bonjour, vous êtes où? Ah, ils sont là, d'accord. Ça devrait le faire. Ça va être chaud, mais ça devrait le faire. Allez, dépêche-toi. Alors, avant d'attaquer bêtement... On a quoi ici comme terre? De la jungle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour. Alors, on va essayer de le prendre de ce côté-là. On va voir même... Voir s'il veut bien se joindre à moi. Non, il veut pas. Ok, ça c'est leur sort est réglé. On va attendre quand même. Qui ça, c'est la Floride? Est-ce que je peux pas avoir un meilleur, ouais, meilleur conquistador? 2-3, ouais, c'est toujours mieux que ce que j'ai là. Ah oui, ok, je peux pas. D'accord, donc il s'est décidé à attaquer, très bien, il a éliminé je pense ces gens là. On va faire ce qu'on va laisser de quoi faire un siège. On va s'attaquer à ce monsieur. Voilà, donc maintenant on peut changer de général, merci. Bon, en plus je peux prendre un prochain niveau militaire. Hein. Peut-être sympa, surtout qu'avec de meilleures tactiques, meilleure morale. Ça coûte cher quand même, hein, par contre. De quoi ça? Ah, j'ai un chef en trop. Bon, bah lui on peut le virer, de toute façon, il est mauvais. Voilà. Commerce intercolonial. Ouais. Oh, on a des thunes, dis donc. On a des thunes.
Voilà. Déjà ça, de fait. Je pense que la situation est sous contrôle ici. Ah, super. Encore une colonie, ok. Du coup, on va coloniser, je pense, ici. Vu que maintenant, on a 10 000 hommes. Ça devrait aller. Je croise les doigts. Ouais, ça va. Pas de problème. Pas trop un problème non plus ici. Putain, mais ils sont toujours là, eux, hein. Paysans anglais. Ok, cette armée va... pas trop mal. Je pense que... je vais faire attendre ici. Oh, une nouvelle idée. Ouais, on est en avance. Ok. Ok, ok. Ça serait bien qu'ils viennent faire un blocus de cet endroit, mais bon. Yes, voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer à lui. Non, pas par là. Par là, s'il te plaît. Ils avancent bien vite, hein, parce que pourtant c'est de la jungle. Je vais ralentir. Hein. Oui, je veux qu'ils se joignent à ce unité, ils n'ont pas compris. Ah, voilà. Stack wipe, rapide et efficace. Non, pareil, tu passes par là. Ah, ils m'ont rejoint cette fois-ci. On l'aurait bien. Voilà, qui est bien mieux. Bien plus efficace. Ok. Et ensuite, on va aller s'occuper de ce monsieur-là. Comment il va, lui? Parfait. Donc, tu nous explores un peu tout ça. S'il te plaît. C'est ton job. Oh là là. On va améliorer les relations avec les Caraïbes et avec la Floride. Ce sera toujours 7 prix. Ok. Ok, donc ça c'est terminé. Du coup, on va poser les gens pour faire des sièges. Ouais. On va pas trop s'étendre non plus. D'ailleurs, franchement, en fait, non, je vais pas faire ça. Parce que si ils se rebellent, là, les 2000 hommes sont morts. Donc on va les diviser en deux. Voilà. Comme ça, je serai plus tranquille. On va en profiter pour explorer pendant ce temps-là. Ok. Ça va, pas de soucis. Ouais. L'Autriche est toujours empereur, comme d'habitude. Bon, la situation me semble plus ou moins un peu mieux maîtrisée quand même dans les environs. Ils ont réussi à légitimer ces provinces-là. J'imagine qu'ils sont en train de travailler. Moins 20 pour le récent soulèvement, ok. Ok, donc la Floride, on est au max. Ah, on est au max aussi en termes de militaires. Plus 35%. Ça m'embête. Ouais, ouais, est-ce que je peux pas construire? Ouais, j'ai pas mal de thunes encore. On pourrait pas construire encore d'autres. Déjà un. On va en profiter pour en faire sur nos îles parce que ça reste des provinces à moi. Là aussi,
là aussi. Voilà, 0 plus 0, non, ça m'intéresse pas. Ensuite, des camps d'entraînement, on va en faire un là. On peut augmenter nos défenses. Voilà. Et on va faire... on va se faire quelques vaisseaux lourds encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, comme ça, ça fait 1000 pièces d'or de dépenser. Gagne 28 de toute façon. Ok, ainsi je vais terminer. C'est très bien, on a quasiment plus de... Ok, on a... nos effectifs sont en train de remonter du coup. Tant mieux, tant mieux. Encore une colonie qui se développe. Et laquelle? Celle-là. Très bien. Grand homme à notre service est mort. Efficacité commerciale plus 10%, avec plaisir. On est à où? 45 on se fait. Quand même, hein. Le nœud de Séville, on est où? Oh là là, la puissance commerciale qu'on déploie. Quand même, hein. Qu'est-ce que ça sera quand j'aurai les doctrines commerciales en plus? Bon, les choses se passent bien. Alors, je suis surpris que... Ouais, je pense que c'est parce que j'avais une province là. Du coup, toutes les provinces en Afrique restent nationales. Ça se transforme pas en colonie. Donc, du coup, tout ça, ça reste... Vous voyez? J'ai pas de... Enfin, si j'ai... Je peux pas diminuer leur autonomie, quand même. Je suis un peu coincé avec ça, mais... Probablement que si j'arrive à les connecter à mes terres centrales, ça devrait le faire. Tlemcen a déclaré la guerre à Tunisie. T'es chaud, toi. Le mec, il a aucun allié. De plaisir. Oh, ouf, 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 ouf. Mon dieu, il y a des paysans qui sont en train de conquérir des terres en fesses. Qu'est-ce qu'on a? Des paysans portugais? Mais diantre. D'où il y a des paysans portugais? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces paysans? Bon, ça m'a l'air un peu plus stable dans la région. Ok. Ah, on va vite fait mettre notre conquistador ici pour venir explorer ce bout de terre. Ok, donc ça c'est terminé. Du coup, un endroit, ouais, bonne capacité de ravitaillement, tu vas te poser là. On va rester dans les environs quelques années. Ah mais tiens, c'est eux. Bientôt découvrir la Californie. Ah, on a eu plein de constructions qui se sont terminées. Entre les Caraïbes. Oui, non, mais c'est mes collègues, les gars. Oh non, il y avait ça? Oh putain. Et ça faisait... Dites-moi que c'est pas à cause de ça que j'ai pas eu l'achievement. Si. C'est dans la région des Caraïbes. C'était la dernière qui me manquait. Oh merde. Oh non. Trop pas. Bon, il faut espérer que... que les indigènes se soulèvent parce qu'ils sont quand même assez agressifs. Donc là c'est là.
C'est si fou, plein d'entre vous étaient en train de hurler disant Jérémy, attention. Ah, tu peux rester là. Donc, eh bien écoutez, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va gérer cette affaire-là. En attendant, merci de m'avoir rejoint. Je vous souhaite une excellente continuation de journée et je vous dis à demain. Bye bye.